C'est Maurice Jean-Charles seul qui démarque. Il démarque le parcours, dit oui, parce que. C'est Monsieur seul qui démarque. Ça que je constate. Moi-même, papier, mais c'est me dit non, je des sources. Oui. Patron, Jovenel Moïse, là, c'est le patron Maurice Jean-Charles. Non, non, Mais. Du Venezuela. Nous sommes deux pays frères, deux pays amis. D'ailleurs, notre histoire l'a si bien dit. La ville des Cayes, que les Vénézuéliens souvent considèrent comme la ville. On va continuer, Mabdjonti Bagay, hein, parce que encore bon, l'autre félicitation. Et nous gagnons blanc qui mentionnait que m'obligé de dire l'autre nation. Hein. Bon, comme nous-mêmes, nous toujours dit pour nous, nous sommes hommes de couleur. Mais grand homme de couleur, même qui fait connaître, peuple haïtien est supposé reconnaître valeur que Canada reconnaît. Pour ça, on fait le pays. Hein. Bon, on connaît, c'est leur travail. Ouais. Ou contentons du travail. Ok. Vous comprenez? Parce que, ou même fierté, c'est que c'est réalisation à faire, c'est des fierté. Attendez, mesdames et messieurs, parce que nous parlons de qui là. Bon, je vais 30 secondes pour faire un résumé de souli. Parce que nous ne parlons pas de qui est ce qui est. Léon, il va faire un petit résumé. Là, c'est monsieur joue film, ils sont acteurs, ils sont chanteurs. Écoute, il va faire un petit bagage de 15 à 30 secondes, un peu de lui-même. Léon, bah, peuple a un petit bagage de bon, oui, peuple, bon, peuple canadien, tellement on est en. Son sociologue est intervenant psychosocial. Moi, fais musique, moi, fais film, d'un coup, j'en veux ça dire. Sur plusieurs projets de lutte l'itinérance santé mentale de toxicomanie déjà fait recherche scientifique en collaboration pour le solliciteur général du Canada fait que Nous ne sommes pas jeunes chassa, nous ne connaissons pas qu'il est là avec nous. Et peut-être que je vais inviter la journée à moi, je vais faire nous compte ça. Revenons dans 514-622-4475. Maman, nous ne sommes pas là, ok. Nous ne pas quitter, nous ne pouvons pas continuer avec Timoun. Et puis nous ne pouvons pas payer Kayo. Nous ne pouvons pas rentrer, nous ne pouvons pas garder dossier, tout le bagage. Nous ne pouvons pas loger avec Timoun. Et aussi, nous avons pile le mois de décembre. Nous avons un cadeau, oui. Nous avons un pile cadeau. Nous avons même assisté déjà à la bagaille qui fait. On a peut-être qu'il y a un peu de monde qui reconnaît ça le fait. Et mesdames et messieurs, pas une ville, pas dire oh mais non, sont haïtiens, pas prêts, les pas prêts, les gens doivent critiquer. N'oubliez pas ça. Bah ça, on dit même, ni là pour ça, ni là pour aider. Nous même qui l'aide, j'en dis nous, là dans Montréal, Canada, nous besoin d'aide. Pas négocier ça. Relé, dans le téléphone. Bonjour, je ne peux pas faire aide sur notre pays. Oui, nous sommes pays. C'est ça, légitime. Non, c'est que faut nous mettre. C'est ça qu'a fait là. Oui, son dialogue constructif. Constructif. On a éduqué le peuple. On a expliqué le peuple. Exactement. Oui, oui. Nous commençons à annexer la montée de la famille. Mais pour ça, pour produire ça, en fait, dans le pays, il faut nous commencer à être un leader qui n'a pas peur de la connaissance. Okay. Parce que nous avons qualité leader qui a peur de la connaissance. Ce qui veut dire que nous avons qualité monde qui parle de connaissance, nous mettons pour côté justement pour le camarouille, pour le café pauvre. Mais du moment que là, nous parlons de leader qui n'a pas peur de la connaissance, qui a peur de monde qui a connaissance, eh bien, en plus bagarre fait dans le pays d'Haïti. Exactement, comme moi dis, nous avons besoin d'informations sur maison, nous même qui avons un petit monde monoparental, maman qui a un petit monde monoparental. Pas négocier ça. Ou va passer misère, va gagner, ou va pour faire, ou va gagner, caille, propriétaire, courir d'ailleurs, 514-622-4475, m'a fait nous rencontrer avec elle. Écoute, là, nous gagnons l'autre temps encore, moment, nous allons passer ensemble. Nous sommes deux pays frères, deux pays amis. D'ailleurs, notre histoire l'a si bien dit.
la ville des Cayes, que les Vénézuéliens souvent considèrent comme la ville historique du Venezuela, où Bolivar a rencontré le président Pétion. Et c'est comme si entre ces deux pays, le destin nous lie. Et c'est pour ça aujourd'hui, je suis sur une terre sœur. C'est pas en vérité. Ça, c'est pas en vérité. Parce que, l'élite politique, l'élite économique dans mon pays, toujours présent dans la politique. Que ce soit c'est Maurice Jean-Charles, que ce soit c'est moi-même demain, c'est moi-même après-demain, l'élite haïtienne, même qui sous pouvoir, l'a toujours gagné place li oui, dans le système. Non. Ce qui veut dire que l'homme n'a pas que c'est patron. Non, ça c'est complètement faux. C'est complètement faux. Mais présentement, pour opposition dans le pays, nous on est absent. Nous pas d'opposition. Non, mais nous avons opposition. Nous avons opposition que nous plus rester dans le système patriotiste, dans le style, à choisir en qualité monde qui pas gain place yo non élite politique au gouvernement, au lieu que yo pencher vers monde qui travaille pour le nationalisme, pour le populace. Okay. Au gouvernement, yo pas intégré vers monde, yo intégré plutôt vers monde qui gain apparition, monde qui gain corps, qui gain bagaille. Faut nous commencer par battre tête non d'abord un système côté que nous appuyer leader politique qui travaille pour la population. Ce qui veut dire que c'est pour ça que Moïse Jean-Charles, présentement, il commence à faire des marquations comparé à l'autre. C'est vrai, mais par contre, Marie fait que c'est peut-être ça que m'a dit non. Marie fait connaître que le peuple haïtien, c'est Tissoussou. Il aurait mérité avec le monde. Et décision, ça, Jovenel Moïse, c'était pour même si il a tué le parti pour prendre des décisions. Automatique. Marie fait connaître aussi, quel que soit. Yo te dit que ces peuples haïtiens a voué aller de toute façon si t'a voué peuple haïtien en Haïti. Gan pile moun aux États-Unis qui t'a supposé aller des papiers yo. Yo pas aller toujours été là, yo pas aucun effort. Que yo voye retourner dans pays yo gen moun ka vivre Haïti aussi. Moun ton capable vivre. Ou li pas supposé prendre décision contre Venezuela. Oui, parce que de toute façon moun sur TPS là, tant que j'aime dou, majorité dans yo gade gan pile qui immigré Canada que ça fait 10 ans, 15 ans était aux États-Unis. Vous comprenez qu'on a obligé à courir vers le Canada. Oui. Faut comprendre que si au point de vue d'éducation, nous éduquer le peuple là, nous sommes capables de vivre aux États-Unis qui fait 10 ans, 15 ans à travailler aux États-Unis, si que Jodia vous voulez voir Haïti, si vous êtes tout à fait à Haïti, vous avez tourné en force économique pour Haïti. Oui. Fait qu'il veut dire que si moi-même personnellement, en tant que leader politique, je n'ai jamais pris une décision par rapport à une situation comme ça. Bon. Parce que moi, logiquement, ils sont forces. Oui. Si on rentre à Haïti, ils sont forces économiques, ils sont supposés pour Haïti. Exactement. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ils ont tout apparaît avec 10, 15 000, 20 000 dollars américains dans le prochain, côté qu'ils ont investi dans le pays. Et c'est son force là. Et nous connaissons avec 20 000 dollars américains entrer en Haïti, ou carrément pas paquet de petits bagages. Effectivement. Mais là, Jean-Bertrand fait me connaître que toute opposition haïtienne n'a pas d'accord. Pour que Jovenel Moïse te dise oui. Mais c'est sûr que l'opposition n'est pas d'accord. Non, c'est ça. Il n'est pas d'accord, mais on va que Baïk a fait à l'interne. Laisser à l'interne de certaines décisions à prendre. Oui, c'est sûr. Mais comme si, c'est sûr, certaines que décisions qu'il prend, il n'est pas belle vraiment. Mais pas oublier que s'il était voté pour Venezuela, mais pas oublier que les gens qui mettent deux mains en bas pour pas oublier tout haïtien qui a voulu un petit peu ça, sont raison de plus pour chuter. Mais ça a déjà la corruption. Soli obligé pour sa tête li. Nous tout compte. Mais excusez-moi, ça va me dire. Léon, il y a un monde qui dit ok, merci pour ce que tu fais pour lui. Quand même, grâce à vous-même, qui est dans le projet là, félicitations, il t'a aidé aussi dans le projet là, il t'a aidé même pour capable aider. Ah, la construction qui t'a faite directement à bord, rivière des prairies, il dit bravo. Non, mais ça, on connaît nous là pour ça. Nous travaillons pour développer pour nous aider jeunesse là. Parce qu'il faut nous faire jeunesse là. En droit, la priorité. Jean-Bertrand même dit tout comme ça, Jiménez, sort sur Dian. C'est un bagage qui est très clair qui est lié. Pourquoi? Parce que
automatiquement vous devez retirer Jovenel Moïse en Haïti déjà s'il n'a pas décidé dit oui. Parce que vous gens connaissent que le peuple haïtien et Jovenel Moïse n'ont pas pris des décisions qu'il prend, il fait connaître que jamais au grand jamais Jovenel Moïse avec toute tête, même l'étape d'or, il va prendre une décision contre Venezuela, c'est forcé ou forcé le prendre. Parce que soit d'ailleurs qui est tellement vrai, pas oublier que c'est le troisième vote qui fait. Premier vote qui était fait là, administration Jovenel là, il était contre. Il était contre Tchon. Nous sommes derrière tout le monde et applaudit nous débat crédit. Parce que faut que tu comprennes bien, ce n'est pas un débat qui a fait pour Jovenel ou contre Jovenel. Non. Contre le parti VHK ou contre Lavalas, non. C'est nous-mêmes, c'est le peuple à nous. Nous mettons maman nous dans la rue, nous avons ça qui a fait là, nous avons dénoncé. Nous avons un paquet de politiciens en Haïti, tout est venu corrompu. Nous-mêmes, grâce à Dieu, nous avons acheté nous. Vous comprenez? Donc, nous avons dénoncé ces débats qui sont clairs et nets. Nous n'avons pas quelle subvention là, non? Ce n'est pas sérieux qu'on fait là, nous étudions ça à faire. Exactement. Mais c'est bon, mesdames et messieurs, c'est exact parce que nous connaissons qu'en Haïti, dans le moment ça, il est chaud. Nous connaissons qu'il est chaud. Et c'est pourquoi que, encore moi-même, je dis nous là pour nous capables d'expliquer vraiment la situation qui nous vient en Haïti, pour qu'il s'arrive et président Nicolas Maduro. Nicolas, il voyons un message par le peuple haïtien. Il voit un message, par contre, il y a un message là. Oui, il y a un message là. Le message là, il dit que il connaît que ce n'est pas le peuple haïtien qui prend décision. Qui prend décision. Il connaît que le peuple haïtien compte décision. Oui, oui. Et que il est clair que décision sont décisions qui prend par en qualité monde. Qui est un petit sous-sous, un bon mot, esclave, qui met à genoux. Oui, bon, moi-même, ça me quand même capable d'ajouter, mais c'est au pire de tout ça, je dis. Je pense que le président, quand même, je dis à la langue de la parole, ça le fait, mais quand même, son geste courageux, quelque part. Okay. Parce que, mais c'est pas lié en politique. Non. Il n'y a pas d'amis. Non, non, c'est pas un geste courageux. Son geste fainéant. Fainéant. Propre et député dans la ville Venezuela, okay. Pas accepté président et Nicolas Maduro. Oui, c'est vrai au point de vue historique, nous comprenons. Mais, il est obligé de penser à la caille, il est obligé de penser à tout le monde qui a le TPS. Il est obligé de penser à approcher parce que son question de temps avec eux. Problème TPS là, même si TPS là. Son prétexte. TPS là, son prétexte. TPS là, pas doué mettre nous en position pour nous mettre nous à genoux. Pour qui lorsqu'un gouvernement, la logique, pourquoi avoir peur que petit tout tourne la caille? C'est qui veut dire que la caille c'est la caille. On va pas besoin de peur pour petit tout tourne la caille. Et nous disons encore, il y a ici qui va pas papier aux États-Unis, il possède des cailles. Oui. Il possède des gros Mac machines. Oui. Il possède. Il y a des corps dans le compte de banque. Alors si nous sommes prêts à faire tourner la caille, c'est aider à venir des pays. Au lieu qu'il y a vivre dans le cachet, il y a un petit esclave, un petit bagage. Faut que les pays commencent à se faire tête de tout, monsieur. Oui, mais nous ne pouvons pas toujours marcher tête baissée. C'est ça. Décision. Un jour, on est là, son décision de l'homme sans fierté. Et pour Mme Medou, sans fierté. Oui, d'après ça, on a constaté, dans les jours ou même Jiminix, on croit qu'on a Jean-Bertrand Aristide qui réagit à ça. Mon cher, comme nous avons des informations à l'interne, que nous ne pouvons pas vraiment vouloir bailler. Parce que vie en plus, nous avons ça. Mais, ça qu'a fait là, parti là, voilà, ça c'est sûr et certain, nous tous déjà connaissons, pas d'accord avec ça. Alors que l'opposition est d'accord avec ça. Ouais. Ça c'est clair, ok? Mm-hmm. C'est clair et net. Au moins, nous sommes capables de critiquer Jean-Bertrand Aristide pour ça le défaire, pour ça le pas de faire. Mais je veux dire, nous sommes capables de faire crédit. Nous sommes capables de faire crédit parce que si c'est sous la valasse, moi-même pas la valasse, je ne vais pas acheter ça. Mais si c'est sous la valasse, je pense que nous avons besoin d'accepter des décisions avec moi. Est-ce que vous pensez que vous êtes venu pour te demander, pour te poser des questions à tout? Mais il est clair que, si, historiquement parlant, quand je cherche à réagir à là, il y a des hommes que, peu importe les critiques qu'on peut apporter, qui avaient quand même plus de solidarité nationaliste que
nèg qui nous voit là présentement là depuis quelques années qui a dirigé là. Vous comprenez? Parce que depuis quelques années nèg qui a dirigé là, il n'y a aucun sens du nationalisme. OK, c'est intérêt pas. C'est intérêt pas. Vous comprenez? C'est fait l'argent multimillionnaire, fait petit peu vinn riche ta pendant ce temps pour mon peuple les maritimes même regarder timoun qui dans la rue qui a bevé grand goût qui a s'il fait pour entendre que on président monté petit multimillionnaire. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Oui, c'est le gouvernement et pas gagner la présumée. Le gouvernement états-unien ou même haïtien, littéralement pas parlé, littéralement raillou, qui limite la division à travers toute petite île. Ok? Limite la division à travers toute petite île. Gouvernement états-unien pas parlé, nous. Mm-hmm. Ok? Mm-hmm. Donc, il mette limite la division entre moi et moi à voir. Mm-hmm. Ok? Non, tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde. Parce que y a une force Haïti. Mm-hmm. Je dis là, il est temps pour Haïti, pour nous-mêmes Haïtiens, pour en place nous. Mais pour qui ça que vous mettez division? Parce que. Mais c'est ça, la division vous mettez, c'est même Nexa, c'est pas Nexa qui va gagner fierté, qui va gagner caractère. Voilà. Vous comprenez? Voilà. C'est ça. Voilà. Nous avons un message. Haïtien, Haïti, un rôle. Là, jouer dans le monde, qui parle le rôle que Haïti a joué, ça va beaucoup plus loin que le CEP Haïti. L'Afrique actuellement besoin de décoller, mais pour le décoller, il faut Haïti décoller. Yo que me délice nous-mêmes noirs en otage, par tout d'abord, yo commencer par nous-mêmes Haïti. Il y a complot, il y a complot dirigeant nous. Si tout le monde messieurs ça, on pas comprendre ça. Ça veut dire nous-mêmes noirs. Yo, comment c'est? Bon, on peut pas parler de ça. Mais déclaration, tu as dit sur Haïti, monsieur. Nous tout oublier bagarre ça comme si c'était c'est vrai. Ah. Alors pour président a prendre une décision comme ça. Ah. Ce qui veut dire que faut nous comprendre que t'as fout job même au cas là. Non, pas faire ça, pas faire ça. Mais juste annonce un petit bagarre et tout étudiant en Haïti dans la diaspora tout monsieur ça au camper qui a demandé l'argent coûte corps pétro caribéen fort mouvement continue. L'argent que tout carré ça qui a parlé là, monsieur, okay. C'est bon bagage à l'interne, non? Non. C'est bon bagage à l'interne, non? Décision ça prend là, Dans 3-4 ans, dans 2 ans, non 6 mois, on va l'entendre. Les États-Unis qui veulent parler de ça. Parce qu'ils ont compris ça dans tout. Ils ont compris ça dans la chapitre. Non, même pas pour prononcer. Parce qu'on est pas le bien avocat. Oui. D'après ça, moi, j'entends tout, un plus fort copé de carré ça a retrouvé nos États. Parce qu'il y a plus de net, c'est aux États-Unis. C'est l'enquête, la médecine n'a plus confirmé ce source nous pour nous larguer. Mais de toute façon, si Américain, pas de vle comme ça disparaître, il va pas disparaître. Ça t'est pas 2019, ça t'est pas complicité. Ce qui veut dire que nous sommes complices, oui, mais nous connaissons qui complice, qui est sur eux, même si nous connaissons qui est-ce qui n'est pas pouvoir qui profite, qui n'est pas pouvoir qui jeune la donne, qui prend la donne, en tout cas nous comme tout le bagage ça. Mais en tout cas, comme nous sommes venus exactement pour décision journée là par rapport à Venezuela, et que nous puissions débattre sur ça. Exactement. Ben, ok, comme moi dis nous encore, mesdames et messieurs, nous connaissons notre besoin, qu'on est en pile bagarre qui t'a passé en Haïti dans le moment ça, avec décision ça. Il y a en pile diaspora ici en Canada, il y a aussi en pile diaspora, quel que soit la France qui communiquait avec, aux États qui communiquait avec, qui n'a pas accepté, le fait qu'on est quel que soit qui a été mis des âmes en tête, président Jovenel Moïse, en aucun cas, il était supposé tourner dos à président Maduro. Le fait qu'on est que Venezuela, c'est une seule pays qui toujours là, même à toute décision, à décision ça que Jovenel Moïse prend, Maduro fait qu'on est que son petit esclave qui prend décision, hein, son monde qui parle, mais propre peuple parle qui prend décision, hein, c'est une décision qui vient des peuples haïtiens, hein, et lui-même d'être toujours été collé avec peuple haïtien, hein, il pas fait pour président, parce que président même qui a des décisions à prendre, que peuple n'a pas accepté, mais lui-même l'a fait pour peuple haïtien, hein. Jusqu'à maintenant, même, on regarde Poutine, président Poutine, fait qu'on est que décision que Jovenel Moïse prend, il n'est pas supposé prendre décision ça. Et la France, bon, il y a plus de au bon côté américain, la France même dit, oh, écoute, bon, il y a pas de décision. Ça pour ici, on comprend tout, c'est que peu importe problématique Maduro dans le pays, c'est seulement un système politique qui va à l'encontre des Américains qui a accepté aider Haïti. Oui. Parce que toute politique qu'a fait qui avec Américains, qui est pour les Américains,
il ne va jamais aider Haïti. Oui, alors, ce qui veut dire que Venezuela, l'équipe de Maduro, de Chavez, Maduro, qui l'a, il a un avantage Haïti. L'autre système, l'autre régime que nous représentons, qui est opposition, qui a pour lutter, pour jeter Maduro au Venezuela, gardez pour nous, l'air monter sous pouvoir, il ne va pas faire un pour Haïti. Eh bien, monsieur, c'est même. C'est même décision ça moi que le peuple a oublié vite récemment, OK, administration Moïse là voté, OK, il a décidé aller avec Taïwan. Eh bien monsieur, pareil, ça c'est le même problème non. Et puis moi t'ai entendu qu'il t'a voilà, c'est erreur sur erreur. Et mais c'est qui est-ce qui est là encore? Monsieur X, c'est quoi la puissance là? Les Américains. Non, mais non. Oh, ok, c'est vrai. Mais sauf. Nous connaissons. Comme si. Comme si Bagayo nous parlait tout beau pour lancer Bagayo. Mais décision ça, sont l'autre décision qui va tomber sous table. C'est deux erreurs et on a fait. Oui, c'est ça. Et nous avons coulé. Peuple a un problème. Voilà, exactement. Nadine fait qu'on est que peuple ici un pape, j'aime sortir dans de l'eau. L'a toujours été là nager en espérant qu'il y ait un jour pays absorbé. Est-ce qu'il y a vraiment en deux bon, on dit qu'il y a en 2022 gagnon Nicolas qui est supposé président d'Haïti. Non mais Max le va bagaille Nicolas ça faut un vrai joke et faut haïtien t'as vraiment oublié vite. Attendez bien et faut haïtien t'as vraiment pas rien tête. On ne peut pas prouver. Non, du tout. On ne peut pas finir dans le système du Valier, depuis sous du Valier grand-père, du Valier père, les coups de bâton on prend, les coups de bâton tombent dans du Valier fils. Faut qu'on ne pas. C'est qu'à un moment donné, nous-mêmes, les Parisiens, faut nous dire assez c'est assez. Oui, et de un, assez c'est assez. Ce qui veut dire que nous faut aller, faut nous ouvrir la porte là vers un autre système et vers du nouveau monde. Moi, vers du nouveau monde. Pourquoi je m'approuve ça hein? Parce que si papa était là, le petit papa était venu et monsieur était venu, là nous avons compris. Mais si vous regardez tout le monde qui est avec nous, c'est américain. Oui, mais je pense qu'on va regarder. Haïti, ce n'est pas héritage du Valier. Exactement. Faut nous. Tu vas deviner comme si c'est héritage papa l'a venu chercher. Faut pas héritage papa à Haïti. Bon. Et bon, l'autre bagaille que pour nous-mêmes haïtiens, nous devons comprendre tout. Okay. Nous devons comprendre tout que Jodia, il faut aller chercher connaissance. Parce que quand il y a des haïtiens qui grandissent à l'étranger, qui vivent à l'étranger, oui. Il faut aller chercher des haïtiens qui ont connaissance pour qu'ils viennent développer le pays. Okay. Et Duvalier, si Duvalier, oui, il fait, il est né à l'étranger, mais il faut connaître l'entourage de Duvalier, le monde qui a guidé Duvalier, c'est même ancien monde ça. Exactement. Il ne faut pas oublier tout que maman de Duvalier, c'est un monde qui était. Moi-même, dans le domaine que je travaille là, je t'appelle le ça, un monde qui a un problème psychologique. C'était un monde qui était. Bâti chambre froide pour le cas maintenant tout fou. Ce qui veut dire que nous menons condition comme pays à ce qu'on a passé. Au bon moment d'un ce qui veut dire que ce monde qui a bâti chambre froide pour le cas maintenant tout fou, ce monde qui a un problème déséquilibre mental. Exact. Déséquilibre mental. Mesdames et messieurs, un moment, dis-nous un bienvenue sur Chanel Bosta John et vous êtes connecté, vous êtes branché à Chanel Bosta John et aussi nous capables de faire un pile de bagages aussi sur Chanel Moon a fait bon. Chanel Moon a fait bon, Jimmy Nix, est-ce qu'on est capable de lancer un petit propos à propos de Chanel là? Avant que je parle de Chanel là, et mes amis, nous, ça va passer Venezuela. Actuellement, président Venezuela plus populaire que le propre président par moi. Ça c'est ça, on est parti pour nous là, moi même si nos affaires oui, et oui. Et nous nous faisons connaître qui président. Si Maduro t'a posé candidat en Haïti, il t'a plus bon, il t'a plus capable bon que Jovenel Moïse. Tellement dans le problème que vous venez là actuellement. Ouais. Ça veut dire que nous avons une blague, mais sérieusement mes amis. Et peuple haïtien tout autant nous là, tout autant nous même jeunesse en nous là, nous debout. Eh bien, bagaille pas passer comme ça. Nous là, nous c'est lumière. N'a expliqué nous, puis nous pas besoin rien. En langue maman nous, en langue papa nous, créole n'a parlé. Au moins nous besoin comprendre avec traduction parce que vérité c'est là la bagaille. Exactement. Mais qui dernière parole que nous va finir, qui dernière parole que nous gagnons pour peuple haïtien dans moment là qui vraiment déboussolé, vraiment
à terre pour décision ouais, ça qui moi-même décision Jovenel là nous connaît que nous pas d'accord avec puis nous pas appuyer peuple haïtien pas appuyer et moi me dit tout faut peuple haïtien mettre debout faut faire des choix éclairés okay. Pas faire des choix patriotistes faire des choix par émotion éclairés, par émotion. Bon, mon ami, les mon appareil était dit, oh, il semble un président, il semble un président. Ça, c'est des choix émotionnels, ce n'est pas des choix éclairés. Ce qui veut dire que les bagailles, il faut nous suspendre, puis, même si que nous sommes peuple, que nous, en majorité, nous ne pas instruits, mais ne pas être instruit ne veut pas dire qu'on est idiot. Bon. Ok? C'est le message, ça me dit. Bon, je suis fondé à nous, sur vais vite, monsieur. Nous, qui c'est pas aujourd'hui, hein, et grande puissance, ça va tout piser nous. Nous, qui c'est pas aujourd'hui, hein, il a fait nous des promesses que nous ne pouvons jamais qu'aimer. Imagine-toi, regarde ça qui est passé avec 12 janvier. Jeudi, en là, regarde l'État et le palais national. C'est vrai. Mais nous, combien de pouvoir passer sur 12 janvier là, nous sommes déjà sur 12 janvier, 12 janvier 2010. Oui. 2010, jeudi, nous sommes en 2019. Ce qui veut dire que sur nous, qui sont là, qui presque 9 ans. Ce qui veut dire qu'en 9 ans, pas de gens gagnent rien. Un pouvoir qui montait pendant ce temps, des milliards disparaissent pour monter, pour reconstruire un emblème national. Imaginez-nous. Qui est très important pour un pays qui sont parlés. Ce qui veut dire que, imaginez-nous, on a qui problème qui nous y est là. Eh bien, mesdames et messieurs, encore, on dit nous merci d'être là, nous avons écouté, nous avons regardé tout ça. Je vais demander pour nous partager. Et en plus, ce n'est pas un dernier débat qu'a fait. Toujours avoir des débats et j'en dis nous, monde qui a des problèmes, maman monoparental yo et nous même qui besoin comme si caille, nous besoin comme si sorti dans problème nous y a. Les gens capables de nous, Hervé, les gens capables de nous, René dans 514-622-4475, poser question ou bien texter, lui-même qui doit rentrer en contact avec nous pour le capable de nous, mais il y a des places qu'il fait, on va faire toute la toute place. Non, on a des territoires qui sont plus desservis que l'autre. Exactement. Mais quand même, il y a toujours moyen de s'arranger. On a trouvé contact pour mon Chili autour. Hein? Mon Chili. Qui est-ce? Ou même pour mon Chili. On va regarder. 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 On va contribution dans le pays à l'autre bord pour nous comment ça a fait pour aider jeunesse là parce que je suis très sensible à la jeunesse haïtienne, je suis très sensible à la jeunesse que je suis dans la rue Haïti. Fait que je travaille et en espérant que je suis un gouvernement stable pour aider ce projet à avancer. Eh bien, moi je dis merci de ce côté. Merci à vous-même de ce qu'on a invité là tout parce que vite dans l'émission, on s'en va de lier. Merci à vous. C'est la place pour nous, une nouvelle bataille. Ah, mais c'est exact. Abonnez-nous à notre stade, mesdames et messieurs, vous nous avez toujours joué. Mais nous, monsieur, on Chanel aussi. Oui, Chanel. Maintenant, c'est Chanel. Lion Discover. Lion Discover. C'est also YouTube Lion Discover pour nous capables d'abonner et nous jouer en pile. Ils sont chanteurs là tout. Monsieur fait chanson pour nous. Un grand chanteur. Un grand chanteur. Du beau camp, du beau monde, du chemin. Un grand chanteur. Et avec notre artiste ici aussi. Jimmy Nix, nous pouvons aller voir sur Chanel. Jimmy Nix, nous sommes capables de voir sur Jimmy Nix, nous avons une pile d'informations. Et comme quelle bagarre qu'a fait là, nous pouvons mettre en forme film, en forme théâtre. Les nous disent théâtre parce que ça qui passe dans le pays là sont théâtriers. C'est dans ce sens là, on a dénoncé un paquet de bagaille et on a salué un pile de producteurs qui a perdu là et tout. Oui, depuis nous sur Chanel Bostadion. Nous n'avons pas le contact. Déjà là, mettez-nous en contact direct avec deux grands, des artistes qui là. Mettez-nous en contact direct avec eux. Nous allons sur Chanel, nous abonner avec eux, nous texter. Eh bien, merci mesdames et messieurs, est-ce que nous sommes là, nous avons écouté. C'est là que nous laissons nous partir. Merci.